Bonjour, c'est la suite de Resident Evil 7, le DLC End of Zoé, la fin de Zoé. Va-t-on réussir à sauver Zoé? Bah réponse dans cet épisode et potentiellement prochain. Tandis qu'on est sur un ordinateur Umbrella Corporation. Hein. Oh, c'est pas vrai. Furtivité, le maître mot. Ah, ça a marché. Et voilà. Incroyable. Je pense que c'est grâce à Joe. Hein. Ah! Laisse-moi tranquille. Ah, je peux le taper, hein. Je sais pas si c'était moi, mais. Ben non, mais. Connard. Connard. Il est vraiment vénère, hein. Bon bah d'accord. J'avoue, j'ai pas vu venir. Ah mais, petit bâtard. Ouais. Et ouais. Aïe! Ah mais il fait des... Il se tape des esquives maintenant! Ah, 2 secondes hein. Ouais, tu l'as senti passer celle-là hein. Petite prise de catch. Saloperie. Faudrait penser à se calmer hein. Ah, il part maintenant. Il apprend hein. Ou alors c'est vraiment Jack. Il se rappelle des combats contre son frérot. Faudrait penser à se calmer, hein. Faudrait vraiment penser à se calmer, hein. Oh, 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 oh. Mais il va s'arrêter, lui? Ça devient long, hein. Et arrête. Non. Finish him. Merci. Allez. Et là, il se relève. J'arrive, Zoé. Bon, bah, ça s'est bien passé. Pour l'instant. Quoi? C'est quoi ce bruit? J'aurais peut-être dû looter avant. Ah, c'était la porte qui s'est pétée. Bon, bah. Toujours plus de dégâts. 13%, hein, mine de rien. Bon, je suis pas certain hein, qu'il soit mort, hein, honnêtement. Honnêtement, ça me surprendrait pas qu'il revienne encore. Mais bon. Zoé. Zoé, on arrive. On va avoir un alligator qui va nous foncer dessus. C'est vrai que je peux crafter 1000 trucs. D'ailleurs. Ça s'est bien passé le combat. J'ai plus que 2 soins, mais ça s'est bien passé. Quoi, Graou, Graou? Ah non, hein.
Zoé? Bon, c'est bon, Zoé, ça va. La petite sauvegarde. On sauvegarde là. Yes. Zoé. Zoé, j'ai ton remède. Tu vas t'en sortir. Non, mais c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Ça se régénère à quelle vitesse cette merde? Merde. Merde alors. Zoé, où es-tu, ma puce? Où sont-ils passés? Hé! Laisse ma famille tranquille, du con! T'en tirer. Bon sang. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Bon. C'est quoi ce bruit? Pourquoi il y a des bruits? Pourquoi ces bruits? N'empêche que si c'est Jack, le monstre là, finalement ce serait pas illogique qu'il essaye de choper Zoé. Il essaye de récupérer sa famille lui aussi. Je sais pas, en vrai. Parce que Jack, bon, aux dernières nouvelles, il était massacré par une tronçonneuse, mais... A priori, c'était suffisant, mais... On sait jamais, hein. Parce que ouais, là, on est... Ça, c'est pas la ferme des Bakers, ça? Par hasard? Genre la petite cabane par laquelle on est sorti? Pas sûr. En vrai, pas sûr. Bonjour? Ah bah d'accord. Bon, on va arrêter avec les points de sauvegarde, au bout d'un moment. Enfin, quoique, je vais quand même sauvegarder. Non mais... Je me fais rec par la porte. Sérieux, ça? Sauvegarde là-dessus. Non. Non, pas taper. Hein. Des insectes. D'accord. C'est vrai que j'ai des bombes. Mais c'est un faux. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est un faux, ouais. Je repasse un manu juste histoire de voir un peu mieux les loots, mais là je peux, ouais, là je peux pas y aller. Bon, je l'ai vu lui, hein. Il est sérieux? Bon, toi, oh, rien dans le frigo. Terrible. Je vois les objets vachement loin, non? Bon, à tous les coups, il y a encore un gros coup qui se cache quelque part. Hein. Taisez-vous. J'ai même pas vu ce que j'ai looté. Monte là-dessus. MDR.
Non mais MDR. Oh mais en plus il bouge, oh ça bouge. Qu'est-ce que j'ai chopé? Je sais même pas. C'est pas une poupée en tout cas. Oh non. Oh je suis dégoûté. Ah parce que ouais voilà. Super. Non mais attendez, par contre, ils font une ronde ou comment ça se passe? Non, c'est toujours le même, hein. C'est juste qu'il tourne. Ouais, voilà. On va en refaire une. Je suis mort. Je suis pas mort. C'est ultra stressant quand ça te fonce dessus par contre. Hein. Qu'on se mette bien d'accord. J'étais pas bien du tout. Hein. Vas-y, refonce-moi dessus. Refonce-moi dessus pour voir. Ouais. Par contre, y avait une lance là. Je pouvais récupérer ma lance. Alors, si je veux looter. Non mais En fait, j'aurai l'esprit tranquille que si je fais ça, quoi. Sache-le, j'aurai l'esprit tranquille que si je fais ça. Donc Comment ça, Graou? C'est pénible, hein. Vous êtes pénible. Après, Ah, il me reste plus qu'une branche d'arbre. Ah. Ah. Je pensais que j'aurais plus de branches d'arbre que ça. Je sais pas où il est. Il a pop où ce bâtard? Ah, là-bas. Ah, vraiment là-bas? À l'endroit où je voulais aller? Bah, je suis mort. Je suis mort. Bah, ouais. Hein? Hein? C'est horrible, les crocos. C'est horrible. Pire expérience de ma vie. Bon, c'est des alligators, oui. Oui. C'est vraiment des sales bêtes, quoi. Résumé, c'est des saloperies. Ils vont pas casser le ponton. Y en a pas un là-dedans. Parce qu'en vrai, je pourrais ouvrir le frigo là. Ça y est, j'ai peur d'alligator. Non mais on en est où? On est où là? Bon, on va laisser ce frigo tranquille, c'est pas grave s'il y a une poupée dedans. Ah, par contre, oui, il y avait deux chemins. Moi, intuitivement, j'ai pris le mauvais, évidemment. Mais une échelle là, si jamais tu veux souffrir. Et faire tout le tour par l'eau. Ok, pourquoi pas. On sait qu'il y en a un là-dedans. Maintenant, on sait, hein. Ça l'a pris. Tant pis, hein. Tant pis pour le frigo. Ah. Bon, peut-être qu'on va aller au frigo finalement, puisqu'on a un point de sauvegarde pas loin. On va tenter le frigo. Oh, une bombe artisanale. Aïe aïe aïe. Quoi, glou glou? Au secours. Au secours. Ah, ça, j'en ai trop. Hein. Trop de bestioles. Poser des bestioles. Poser des bestioles, on va sauvegarder.
On va aller faire le frigo. C'est parti. Non mais il est où? Il est où ce petit bâtard? Non mais... Ah non hein. Ah bah par contre c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Ça, c'est pas drôle pour le coup. Ouais, bon. Non, mais non, non, en fait, non. En fait, ça me stresse trop, le croco là-dedans. Tant pis. Hein. Je suis sûr que l'objet, il est craqué, mais tant pis. Hein. MDR. Non, mais MDR, si ça tombe. Hein. Vous savez quoi? On va même faire ça. Oh, si jamais ça tombe. Attendez là, parce qu'il y en a un là. Bon, il y en a un là-bas, mais on va l'oublier lui. Je peux aller dans, mais je peux aller dans l'eau. Mais ils sont tarés. Hein. Respire. D'accord. Saloperie. Ça me faisait pas rigoler, moi. Oh non, les crocos, c'est une chose. Les ennemis, c'en est une autre. Quoi? Mais non, mais... J'avais pas vu le mec derrière moi. C'est pour ça que je prenais des coups comme ça. Question d'équilibre. Ouais, regardez. Ouais, regardez, vous vous mettez les pieds quand le chemin est étroit, ouais. Ouais, ouais. Ouais, super, ouais. Non mais oh, taisez-vous les crocos. Après c'est vrai qu'il y a des trucs là. Oh non mais c'est de l'autre côté. Oh là là. Bonne ambiance hein. Bon. Attention, attention, vous mettez les pieds, ils ont dit. Non, écrase-le. Voilà. Il y a eu un bout de chair qui a sauté, ça m'a fait peur. Bon, du coup là. Là tu rentres et là tu ressors. Voilà. Mais non! Toi, t'es écrasé. Et lui aussi. Non. Voilà. Ça s'est mieux passé. Et mange une bestiole, tiens. Pas mal. Voilà. Pas mal. Poupée boxeur. Nickel. Des trucs bien. Ok. Oh, je sais que passer. Hein. C'est quoi ça? En fait, non, c'est pas du tout l'endroit des Bakers. Hein. Je sais pas ce que c'est, mais... Ah, mais off. En fait, là, j'ai un choix. Là, j'ai ce chemin. Comment on... Ah ouais, il faut monter là-bas. Là, il y a plein de trucs. Hein.
Mais alors par contre... problème, c'est les alligators. Et là, les alligators, ils ont... ils sont amusés, ils se font mumuse à se cacher sous l'eau maintenant. Leur nouveau jeu, c'est ça. Ils ont vu les dents de la mer. Ils se sont dit, on va faire pareil. Ah, ça marche pas. Après, il y a l'air d'avoir tellement de loot. Prendre ce risque. Ouais. Pour aller chercher un frigo, je suis pas capable, mais par contre pour aller chercher trois lances, j'avoue que d'un coup c'est beaucoup plus tentant. Mais après je vais me faire prendre court tour. C'est sûr, je vais me faire prendre court tour. Donc j'ai deux choix. Courir ou mourir. Il y avait un truc là-bas. Ok. Bon, on va partir... on repart Manu. Oh là là, il y a l'air d'avoir 12 milliards de trucs, hein, mais... écoutez, on va pas tout fouiller. Hein. Ah ! Ah, de saloperie ! Il fallait que je me soigne, je le sais, et je recommence du point de sauvegarde. Non ! Non ! Oh, la difficulté là d'un coup, ça y est, c'est parti. Hein. Ouais. Ah non, mais il faut marcher parce que sinon tu vas tomber dans les alligators et on va mourir. Salut! Salut. Salut. Mais non. Je suis mort. Adieu, je suis mort. Ouais, bon bah bonjour. Quel enfer! Non, je vais pas baisser la difficulté du jeu, non. C'est bon, ça va. Putain, le jeu qui saute ma gueule. Non, mais je peux utiliser ma bombe, je vais pas l'utiliser. Ah, oh, ils m'ont saoulé. En fait, ouais, je suis tombé, quoi. Je suis tombé. Ils ont réussi à me faire tomber. C'est des petits bâtards, là. Mais en vrai, je vais peut-être me les faire sauvegarder. Que j'aurais dû faire avant, quoi. Voilà. Voilà. Mais non. Ouais, écrase l'autre, s'il te plaît. Mais quoi? Putain, mais quel enfer! Tombe pas. Hein. Oh là là. Re-sauvegarde. Non, soigne-toi. Prends une crevette. Voilà. Miam 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 miam. Pas mal.
Bon, le soin est dégueulasse, mais on s'en fout. Sauvegarde. Parce que j'en ai marre de mourir à cette phase. Et si là, ça fait rip-up les ennemis, je me tue. Non. Non, puisque c'est trop tard, de toute façon. Trop tard, de toute manière. Non. J'ai un stand sorti le bâton. Bonjour. Ouais, Graou Graou. Je me rappelle plus, hein. Le problème c'est que je me rappelle plus. Je me rappelle plus de rien. Je me suis fait défoncer par un truc. Ah ouais, mais il faut que je l'attaque à la lance, ce truc de mort là. Qui m'a défoncé. Je crois que c'est ça le game plan de base. Ouais, mais... Ah, c'est à ça que ça sert. Parce que de là, je dois pouvoir le choper. Effectivement. Du coup, là, je fais ça. Je m'en refais un. Voilà. Voilà, salut. Ok. Et salut. Voilà. J'avais une poupée boxeur aussi. Je m'en rappelle plus. Je m'en rappelais plus. Là, je crois qu'il y en a un qui va sortir là-bas, mais... On s'en fiche. On s'en fiche. Très bien. Nickel. Hein? Allô? Qui a fait Graou? Ça doit être de l'autre côté de cette porte. Oh, je vais me faire prank. Ah, bah non. Vous voyez que je peux encore faire un kill discret? J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une intelligence artificielle pareille. Mais c'est magnifique. Alors j'exagère peut-être. Hein. Il y a aussi que je suis pas habitué à jouer à infiltration. Moi, vous savez... D'habitude, ça me stresse trop et tout. Mais là, ça passe. Du fluide. Bon, par contre, j'entends. Hein. J'entends une sale bête. Vous, même pas, j'hésite. Tellement je vous déteste. Petit verre. Oh non! Pourquoi la musique s'emballe? D'accord. Pour pas grand chose finalement. Bonjour. Trop sympa. Trop aimable. Fallait pas, hein. Ouais, ouais. Pourquoi la musique? Je suis censé être menacé là? Ah, attends, ils m'ont pas vu. Ah si, peut-être. Ah. Alors je pensais que vous seriez plus réactif que ça.
Ah ouais, par contre. Oh non. Allez, viens. Bon, elle servira pas à grand chose, mais viens. Ok. Ouais, c'est une branche d'arbre. C'est vrai que c'est pas la ferraille pour les bombes. J'ai tendance à l'oublier, mais... Bon. Après, voilà, la bombe. C'est... Par contre, c'est pénible de se battre ici, hein. Oh non. Ouais, eux... Ouah, faut se calmer ou d'un moment. En fait, voilà, je veux pas être trop loin. Je veux pas être dans une position trop défavorable en fait. Hein? Stop là. Par contre, c'est quoi cet enfer niveau ennemi? Ah mais attendez, trop de chips là. Ah, c'est un insecte, c'est des insectes aléatoires parmi ceux qu'on ramasse? Ou c'est justement ceux qu'on ramasse mais dans un certain ordre? Je sais pas. C'est marrant comme interaction. Oh là là, je vais encore me faire prank. Hein? J'étais tellement sûr que j'allais me faire prank. Ça, c'est un point de sauvegarde, ça. Ouais, ouais, ouais. Une petite poupée. 17% de dégâts en plus. Et ouais, 33 minutes, hein. 33 minutes, hein. Mine de rien. Bon, on va continuer un peu. Ouais, continue un peu. Calmez-vous. Calmez-vous les bruits. Alors qu'on arrive dans un cimetière. Une église. Évidemment, un endroit où il y a plein de morts. Plein de gens qui sont morts. C'est... Non mais ça va me tomber dessus à 12 milliards, là, je le sens. Le jeu, il est pas sympa, là. Le jeu, il lag surtout, hein, des fois. Hein. Oh! Ouais. J'allais vous le dire. Alors deux secondes, hein. Parce que j'ai pas le temps de faire de bombes artisanales, mais... je vous avoue que l'envie est là. Hein. Mais non, mais me vomis pas dessus. Mais non!
J'ai voulu parer, mais je pense que ça aurait rien changé. C'est devenu tellement plus tendu d'un coup, c'est ouf. Alors attendez, hein. Je me fais plus avoir. Voilà. Déjà, je fais ma bombe. Parce que, à mon avis, ça m'a été utile. Cette petite saloperie. Ouais. Mais non, mais me... Arrête! C'était nul. C'était nul à chier. Mais non! Je fais comment contre lui? C'est quoi la meilleure strat? S'il me vomissait pas dessus. Ah, je peux pas. Bah ouais. Mais je fais comment, moi? Ouais, je peux rien faire. Je ne peux rien faire. Bon. Du coup, on est un peu dans la merde niveau ressources. Mais bon. Petite poupée. Décidément. 19%. Je suis sûr qu'on a raté une poupée dans le frigo, mais... Sinon, on les a peut-être presque toutes. Bon, évidemment, il y a Zoé ici. Comment vous dire que on va essayer de l'intervenir, on va avoir le combat. Donc, on va se préparer, tiens, on va manger. Est-ce que je suis full vie, vous pensez? Ça dépasse le sacrilège. Ah! La famille, c'est sacré. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah bon, c'est bon, tout va bien, on s'en est sorti.
Bon, du coup, c'est bien Jack. Hein. Ceci explique cela. Par contre, on a l'air en mauvais état déjà. Salut hein. Alors attendez hein. On sauvegarde. Je te tiens, espèce d'enfoiré. À nous deux. Bon bah. Let's go hein. Ouh, 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 ouh. Non mais vas-y, c'est une blague. Combien? Combien? Eh ouais. Ouais ouais, ça va faire mal ouais. Ouais ouais ouais. On va pas faire les combats. Hein, on va éviter. On va juste essayer de looter. De looter. Hein? Mais combien ils sont? Moi je veux bien hein. Mais non. C'est pas juste. C'est pas juste, j'allais me soigner, c'est pas juste, j'ai paré, c'est pas juste, ils font trop de dégâts, ils sont 12 milliards. À moins ce qui est vraiment une bonne, une timing parfaite en fait. La meilleure défense c'est la fuite. Non mais voilà. Vous voyez, même le jeu il me le dit. J'ai l'impression de jouer un warrior mais il faut que je fuis. C'est quand même terrible ça. Heureusement que je sauvegardais hein. Parce que ouais, le jeu est moins généreux que du coup dans Notre Hero. Notre Hero t'avais des checkpoints. Là, tu te démerdes. Hein. Donc là, it's a prank, bro. Ah ouais, salut. Salut. Par contre, on est d'accord que ça. Ça, ça va être compliqué à choper. On va fuir. Hein. On va juste fuir. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Un de leurs nouveaux jouets. C'est quand même drôlement pratique, ça. On va mettre de ses gauches, mon gars. Bonjour. Pardon, fallait t'écraser, excuse-moi. Charge en cours. Charge complète. Qui veut essayer? Bon bah. Charge complète. Qui veut jouer? Jack? C'est peut-être ce qu'il me faut pour me débarrasser de Jack. Oh les alligators. Non, il y a pas d'alligators là. Hein. Avec cette musique. Ah mais... Mais oui, on connaît là. Ah c'est chez Marguerite ça. Oh je reconnais. Hein? C'est en meilleur état que j'aurais pensé. Bon. Zoé Baker, CM1. Ah oh, putain. Ah, attends. Attends, on coupe la musique épique. On coupe la musique d'Iron Man. Deux secondes. C'est parti. Ah pardon. Ah je connais là. Je connais cette maison. Maison Marguerite. Le bon moment ici. Non. Ouais 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 ouais. C'est marrant, c'est inversé dans mes souvenirs. Dans mes souvenirs c'était de l'autre côté mais... Soit.
Non mais... Bonjour. Au revoir. Ah oh, mais je vais faire que ça en fait. Charge complète. Non, ça marche pas. Charge en cours. Charge complète. Charge en cours. Bonjour. Charge complète. Dépanneur Joe à votre service. Vous avez besoin d'un coup de main ? Mais non mais... Charge en cours. Faut se calmer au bout d'un moment. Charge en cours. Charge complète. Bon, je regarde s'il n'y a pas des trucs à looter. Hein. Excusez. Hein. Au toit. Ah non, il explose. Ah, on l'a one shot quoi. C'est trop vénère. C'est tellement vénère. Mes poupées. Ah, j'ai perdu mes poupées. Bon bah, c'est pas grave. C'est pas très grave. Il doit plus être bien loin. Oh, je suis déçu qu'on puisse pas toucher aux poupées. Ok. D'accord. Très bien. Visiblement, il a bien apprécié son moment dans la résidence des Baker, lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Non, ça c'est là. Non, ça y était pas, ça. Au secours. Oh, ils sont tous fait massacrer. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Ils ont croisé un alligator. Je pense que l'alligator... pardonne pas. Hein. Les objets perdus ont été placés vers le coffre. Une langouste. Nous avons fini d'analyser les échantillons de tissus supposés appartenir à Jack Baker. Les cellules montrent une extraordinaire résistance aux dégâts physiques et chimiques. Le mutamycète de la série E sécrète une enzyme semblable à la télomérase à travers les parois de la cellule, bien sûr, causant l'activation anormale de la voie ERK qui provoque une division forcée des cellules, régénérant rapidement les tissus endommagés. Ouais, en gros, il se régénère vite, quoi. Hein. Cependant, la division cellulaire répétée mène rapidement à une rupture dans la structure intercellulaire, à l'origine de l'apparence boueuse caractéristique des échantillons de tissus prélevés. Ceci nous amène à penser que les cellules atteignent leurs limites de high flick. Il est à noter que les échantillons proviennent des autres membres de la famille, la femme Marguerite, le fils Lucas et la fille Zoé. Que les échantillons provenant des autres membres de la famille ne présentent pas des capacités de régénération aussi étendues. Il semble que les symptômes puissent varier d'un sujet à l'autre. Une étude plus approfondie s'impose. C'est toujours un vrai là. Hein. Ouais. Ah, attendez. Hein. Attendez. Hein. Parce que... Comment ça... Comment ils comptent étudier plus approfondissement les symptômes qui varient d'un sujet à l'autre, hein? Produit AMG78, développé pour faciliter le transport d'équipements lourds. Tu vas équiper, les impulsions nerveuses sont détectées et synchronisées avec un actionneur qui offre une puissance dépassant les 50 chevaux. Des absorbeurs à la pointe de la technologie permettent d'annuler le recul perçu par l'utilisateur. Très bien. Attendez, il n'y avait qu'une page. Oui, il n'y a qu'une page. Bonjour. Bon, on va sauvegarder. Paf. Et le bon mou, ce serait de s'arrêter en réalité. Hein. Mais je pense qu'on est bientôt prêt. Bientôt à la fin. J'ai pas encore envie de faire un épisode de 5 minutes où je fais 15 minutes de bonus derrière.
globalement, je crois qu'on a... Si, il y a des trucs, il y a du contenu qu'on n'a pas fait hein, mais, dans les DLC, mais bon. Attends un peu, Jack. Zoé rentrera avec moi. Oh là là. Zoé. Cette porte. Ah bah, bon. Parce que ouais, je pense que là, c'est le fight. Hein. Là, c'est le fight final et let's go, les gars. J'ai rien. Je peux rien craft. Bon bah, Zoé. Zoé, Zoé, réveille-toi, réveille-toi. Ah coucou. Je pensais que tu passerais par la porte au moins. Non mais. Et ta fille là. Je vais avoir du mal à lui faire les full charges. Hein. Ah non. 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 Ah non. Pas le one shot. Pas le one shot. J'ai peur. Ça fait mal quand même. Soigne-toi. Ah là j'aurais pu charger. Tu m'énerves. Non je l'ai raté. Je suis deg. Petit bâtard. Ah bah ouais. Et du coup ça me cancel. Ça va soigner. Deux, trois. Deux, trois. Ah, visiblement, ouais. Petite réaction là. Il est plus vénère. Il m'avait manqué Jack. En vrai c'est un bon gars hein. En vrai on avait vu à la fin que c'est un bon gars finalement. Ah mais non mais... Faut arrêter hein. Non mais arrête. D'accord. Adieu frangin. C'est adieu à la famille, frangin. Sorry. Sorry. Tiens bon.
Ça va aller maintenant. Zoé! Zoé! Réveille-toi, Zoé! Joe! Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça va? Je vais bien, t'en fais pas pour moi. C'est fini maintenant. Go, 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 go! On bouge plus! Les mains en l'air! À genoux! Oh non! Ça suffit! Baisse ton arme. Ça va aller. Zoé Baker, c'est ça? À qui a-t-on l'honneur? Chris Redfield. On vous a cherché partout. On vient vous aider. Tu vas t'en sortir. J'ai passé 3 années enfermée avec ces monstres. Ils ont tous essayé de me tuer. J'arrive pas à croire que ce soit fini. Tu sais, quelque part au fond d'eux, il restait ta famille. Et ils t'aimaient. Surtout ton père. Même dans ses derniers instants. On l'a trouvée. Elle encaisse bien. Ouais, bien sûr. Attends. Quelqu'un veut te parler. Zoé. Zoé, tu es là? C'est toi? J'y crois pas. Tu t'en es sorti. Ouais, on a réussi. Tu m'as pas oublié. Je t'avais dit que je t'enverrais de l'aide. Et je tiens toujours mes promesses. Merci, Ethan. Et ainsi, la boucle est bouclée. Bon, du coup, bon, c'était... Enfin, on comprenait que c'était Ethan sans qu'elle avait à le dire, mais... Ceci dit... voilà. 11 exécutions furtives. Complétez tous les défis et obtenez la machette maudite. Au secours. Défi extrême. Les défis s'activent automatiquement lorsque vous passez certains checkpoints. Hein? Au secours. Joe doit mourir. Oui. AMG-78A. Oui, bon, ça, voilà. Fusil M20. Oui, d'accord. Très bien. Promesse tenue. Ben voilà. On a terminé ce DLC. Et on a terminé, du coup, par la même occasion, ce Let's Play Resident Evil 7. Et ouais. Alors voilà, bon... De ce que je comprends, parce que, alors, voilà, moi, je connais pas du tout ce qui se passe, alors... Je connais quasiment rien de ce qui se passe dans le 4, je connais rien de ce qui se passe dans le 5, rien de ce qui se passe dans le 6 de Resident Evil. Je connais un peu le 1, 2, 3. Et peut-être un peu le 0. C'est même pas sûr. Je connaisse tant que ça l'histoire. Mais de ce que j'en comprends de ce Resident Evil 7 et de ce qu'ils ont a priori voulu instaurer, ils veulent essayer de relancer un petit peu l'histoire, la narration sous un nouveau truc, etc. Enfin, ils veulent faire une rupture un petit peu avec ce qu'ils ont fait avant, tout en restant dans la même continuité. Donc là, potentiellement, du coup, on a Zoé qui serait... bon, peut-être pas forcément recrutée par Umbrella, mais en tout cas, qui va peut-être collaborer avec Chris Redfield à un moment ou à un autre. Enfin, je sais pas du tout comment va être le 8. Je suis très curieux, hein, parce qu'en plus, il donne très envie. Hein. Village... Ça, je pense que ça peut donner quelque chose de vachement sympa. Je sais pas s'ils seront encore en FPS ou s'ils repartiront sur du plus classique. Mais... Quelque part... En fait, le FPS rend le truc un peu plus flippant quand même sur certains points. Enfin, ça dépend après. Hein. Ils peuvent faire des trucs très efficaces avec une caméra à la troisième personne aussi. Mais bon. Donc bon, bah j'ai bien aimé ce DLC. Plus chaud. Un peu plus chaud que le précédent, ne serait-ce peut-être par rapport au fait que tu sois quasiment que full cac. Même si t'as ce côté combo, coup de poing, machin, c'est sympa. Le gameplay est agréable. Et d'ailleurs, je viens de remarquer, il avait le gant sur la main au début? Je sais pas. Sauf que comme je vous ai jamais... Si je l'avais lancé vite fait, je crois, à la fin
de l'épisode 3 de Notre Héron. Mais je sais plus si elle avait le gant. J'ai pas fait gaffe du tout aux détails. Bref, en tout cas, non, c'était sympa. J'ai bien aimé. Ça boucle en plus l'histoire de la famille Baker. On revoit Jack, on revoit Zoé. Zoé qui finalement s'en est sortie. Parce que c'est vrai qu'on l'avait un peu laissé en plan, on lui avait dit on t'enverra de l'aide, machin. Alors bon, si, techniquement, elle aurait été sauvée de base si Joe, il n'était pas intervenu. Enfin, après, ça reste à voir, parce qu'il y avait quand même Jack, hein, dans les parages. Et Jack, effectivement, qui, même zombifié, voulait essayer de retrouver sa fille pour potentiellement la protéger. Parce que bon, je pense que s'il avait voulu la buter, il l'aurait fait depuis un moment. Donc bon, voilà, c'est sympa, ça rajoute du lore. De toute façon, c'est la réflexion que je me faisais, on va sortir de là, même si la musique était vraiment sympa. C'est la réflexion que je me faisais, c'est que ils sont vraiment allés au bout de leur délire en fait sur ce jeu. Parce que quand tu regardes voilà, les vidéos interdites, j'ai rien fait de ça d'ailleurs. Au secours. Oui, non mais. Vraiment, j'ai choisi entre plusieurs trucs. Après, il y a peut-être du contenu canon là-dedans. Enfin, sûrement d'ailleurs. Cauchemar, la chambre, fille, 21. Suivez jusqu'à l'aube en fabriquant des armes et des pièges. Utilisez votre intelligence pour sortir de la chambre. Jouez votre vie dans ce jeu de cartes extrême. Revivez le début de l'histoire tragique des Baker. Ça, c'est peut-être à faire en vrai. Je sais pas si. N'hésitez pas à me dire, hein, pour le coup, dans les commentaires, s'il y a du contenu. J'essaierai de me renseigner aussi, de mon côté, mais s'il y a du contenu vraiment, en termes de lore, qui apporte vraiment des trucs dans ces cassettes ou dans des trucs que j'aurais pas fait. Parce que, bon, pour le coup, pourquoi pas. Mais justement, ça développe un petit peu, 21, il me semble que c'est un jeu avec Lucas. Hein, à tous les coups, dans ce jeu de cartes extrêmes, je suis quasiment sûr qu'il doit y avoir Lucas derrière. T'as l'anniversaire de Jack, t'as les trucs... Non. Secours. Voilà, l'anniversaire de Jack, bon, Ethan doit mourir, bon... Bon, voilà. Mais c'est des petits trucs qui rajoutent, voilà, c'est autour de cette famille Baker, avec, voilà, des trucs avec Marguerite, des trucs avec Jack, des trucs avec Lucas, bon... Elle est marrante, finalement, cette famille, enfin, marrante. Dans l'eau de marrant, il y a surtout Jack, en fait. Marguerite, elle me fait flipper. Lucas, c'est un psychopathe. Non, Zoé, elle est sympa. Et Zoé, elle est juste sympa. Ouais, genre, bon, elle est sympa. Jack, il est menaçant aussi. Mais en vrai, voilà. C'est un peu un mec bourru, finalement. Il est un peu incompris. Il s'énerve facilement, mais en même temps, c'est pas sa faute. Bref, hein, je vais pas revenir sur tout le lore du jeu. Mais j'ai bien aimé, globalement, toute l'expérience Resident Evil 7 que j'ai fait jusque-là. Donc bon, je pense que je ferai éventuellement, du coup, d'autres trucs, si jamais. Peut-être pas. Mais dans tous les cas, à mon avis, la prochaine fois qu'on attaquera de Resident Evil sera soit pour le 8, qui sort l'année prochaine. Donc peut-être que je ferai un let's play sur Resident Evil 1 ou 0 avant. J'allais dire ou le 2, mais le... Non, je vais peut-être pas faire le 2 avant le 1 quand même. Le 1 avant le 0, je sais pas. C'est possible que je fasse le 1 avant le 0, puisque bon, dans les sorties, techniquement, il est sorti avant, donc je sais pas si c'est peut-être pas mieux de faire le 1 avant. Même si je crois que le 0, il est bof de ce que j'avais cru entendre, mais bon, je pense qu'on le fera quand même parce que je l'ai. Et voilà, simplement. Donc attendez-vous à plus de contenu Resident Evil par la suite, mais pas tout de suite, parce que là, il y a d'autres contenus qui doivent arriver. Même si, encore une fois, je vous dis ça, là, j'ai tourné, j'ai tourné les deux DLC en deux jours. Bon, au moment où je tourne ça, moi, c'est demain que sort Hyrule Warriors, que je vais poncer et qui va être le let's play principal de la chaîne pendant un moment. Donc bon, je vous cale ça quand je peux, mais ça va sûrement pendant ce let's play, quoi, du coup. Donc voilà, hein, je sais pas quand, parce que j'ai d'autres let's play prévus avant, mais en 2021, il y aura du Resident Evil sur la chaîne. Voilà.
Bref, cette vidéo est trop longue, mais à la limite, j'ai bien fait. J'ai bien fait, on aurait encore eu un épisode de 10 minutes. Donc bon, hein, voilà. Après, peut-être que je devrais faire que des épisodes de 10 minutes aussi, mais... Ce serait plus rapide à upload. Bref, allez, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On se dit à bientôt pour d'autres contenus sur la chaîne, d'autres let's play, d'autres vidéos, tout ça. Voilà. Portez-vous bien. Bye bye.